Récififan, voici un nouvel upboxing consacré cette fois-ci au petit train vapeur avec un bébé Fennec, qui est une très jolie boîte de la collection de la fête foraine. Cette année, nous avons d'ailleurs plusieurs boîtes qui est en nouveauté de la collection fête foraine, puisque nous avons la parade des bébés, mais aussi le parc aquatique des bébés qui va avec le parc d'attractions. Alors, on va découvrir cette boîte ensemble. Sachez que sur ma chaîne, vous pouvez également découvrir deux unboxings, notamment celui de la famille des Fennec, mais aussi celle de la parade des bébés qui sont des nouveautés 2023. Donc je vais présenter par la suite la collection de la fête foraine dans une vidéo à part, parce qu'elle s'étoffe un petit peu plus chaque année, et c'est une collection qui est quand même bien sympa avec tous ces petits bébés. Donc là, on va ouvrir la boîte du petit train ensemble. Voici donc le petit train une fois déballé, il était d'ailleurs assez bien attaché, j'ai mis pas mal de temps à le détacher. Et donc regardons de plus près, donc dans cette boîte il n'y a pas d'accessoires, uniquement une petite figurine bébé Fennec que nous allons regarder de plus près. Donc les bébés Fennec sont vraiment très mignons, ça il n'y a pas doute là-dessus. Elle est habillée dans un costume plutôt festif, un petit peu clown je trouve, avec sa petite collerette de fleurs. Une petite jupe satinée de couleur vert clair, un petit chapeau de fête, en feutrine également. Donc vraiment, elle est très bien habillée, c'est quand même pas toujours le cas des bébés, donc là c'est plutôt bien. Donc nous avons un joli petit train dans des couleurs vraiment pastel, très très joli d'ailleurs, qui roule. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais la petite fumée, le petit nuage, en fait, il bouge en même temps que le petit train, donc ça c'est vraiment rigolo. Il y a pas mal de détails également. Alors, on retrouve pas mal d'étoiles sur le petit train, notamment sur les petites roues, sur le côté, mais aussi sur le dessus, que ce soit ici ou sur le toit, de couleur blanc et rose. Même de face, on retrouve une petite étoile. Enfin, il est vraiment très très joli, avec plein de couleurs. Donc vraiment très très sympa. D'ailleurs, il y a un petit crochet que j'imagine qui va vous permettre d'accrocher différentes petites choses. D'ailleurs, avec ce petit train, vous avez une petite notice. La regardons de plus près. Donc dans cette petite notice, nous apprenons que la figurine peut également se poser sur le petit nuage, qu'il y a une petite manivelle qui se tourne à l'intérieur du train. J'imagine que ça ne sert pas à grand chose. Ensuite, il y a une petite porte nuage qui s'ouvre et qui se ferme. Donc comme je vous ai montré, le petit nuage bouge quand on avance le petit train. Et on peut effectivement connecter différents petits véhicules et donc former ainsi un plus grand véhicule avec le petit train. Et donc le train va tirer différents petits véhicules. Alors avec le petit train, j'imagine qu'on peut mettre pas mal de petits bébés à l'intérieur. Alors effectivement, petit wagon arrière s'ouvre comme ceci. Donc les deux petites portes s'ouvrent, donc on va pouvoir mettre des petits bébés à l'intérieur. Alors on va tester combien on peut mettre de petits bébés. Donc là, on peut en mettre deux facilement. Et je dirais même qu'un troisième pourrait passer sur le devant parce que c'est assez large. Alors on va tester tout de suite. Ah bah oui, ça passe. Bon après, ils sont peut-être... Oh, même pas, ils sont même pas à l'étroit. Donc, on ferme les petites portes. On met le petit personnage sur le devant. On peut lui mettre aussi un petit copilote, parce qu'il y a de la place. Et voilà. Et on va pouvoir aussi ajouter des bébés également sur le dessus, parce que là, on va pouvoir ajouter également trois personnages. Donc, on met celui-ci. Celui-ci, mais aussi celui-ci. Le petit train est prêt à démarrer. Et là, il y a du monde à l'intérieur. Regardez tous les petits personnages qu'il y a dans ce petit train. Ensuite, on va essayer de connecter différents petits véhicules entre eux. Donc, on tourne le petit train et on va pouvoir retirer cette petite chose et donc ajouter différents petits véhicules. Alors, j'ai celui-ci.
J'en ai plein des petits véhicules, mais bon, j'ai testé avec ceux qui étaient les plus proches. Alors, effectivement, ça fonctionne. J'imagine qu'on peut ajouter encore un autre. Moi, j'aime bien en ajouter plein. Je sais pas si vous, c'est pareil. Bon, par contre, c'est vrai que ça tient quand même assez moyen. Donc, quand on joue, il faut faire attention. Surtout que là, ça n'a pas tout à fait la même taille au niveau du crochet. Donc, c'est pas forcément évident à mettre. Surtout quand on en met plusieurs, ça devient un peu plus compliqué. Je trouve que ça devrait mieux se clipser parce que ça a tendance quand même facilement à tomber et ça c'est quand même un peu dommage. Mais bon, on peut quand même mettre pas mal de petits véhicules qui s'ajoutent au petit train. Donc ça c'est quand même assez rigolo. Donc regardez, là si on met tout ce petit monde, c'est quand même bien sympathique. Donc on va pouvoir tracter plein de petits véhicules. Et voilà, la vidéo se termine. Alors comme vous pouvez voir, il y a pas mal de petits bébés qui attendent pour monter dans le petit train. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve sincèrement que cette boîte est très jolie. Alors effectivement, il y a des couleurs quand même assez girly, assez tendres. Ça change des anciens Sylvanian, mais ça reste quand même une très jolie pièce. Et la qualité est toujours au rendez-vous. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et ou un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt !